Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ma première vidéo. Donc ça va être sur l'unboxing pardon, d'un casque de VTT, donc c'est un casque Fox. Je l'ai acheté sur ProBike Shop, donc on va l'ouvrir ensemble tout de suite, c'est parti. Ici, voilà. Ok, donc on a la facture de chez, ProBike Shop. Voilà, donc dedans on a le casque avec une housse et donc ça il me semble que c'est des attaches de rechange. Voilà. La boîte est venue. Donc ça on ouvrira après. Hop. On va faire le petit nœud qu'il y a là. C'est bon. Alors. Ouf. Voilà le casque. Ah oui, donc ouais, c'était bien une attache qu'il y avait. Donc voilà le casque. C'est un très joli casque. Donc je l'ai pris en taille M. Bon, il est assez léger. Hein. Franchement, il est vraiment pas mal. Donc il est assez léger. Donc il y a 11 grilles d'aération dessus. Et donc nous avons les grilles juste ici qui sont lavables pour la transpiration, au moins lavable. Voilà, donc, attendez, je remets juste moi. Bon, je le remettrai plus tard, pas trop grave. Donc la fermeture, ouais, donc c'est comme ceci avec hop là en clips. Donc c'est pas encore les aimants malheureusement. Moi j'aurais bien aimé voir les aimants dessus. Voilà. Donc, attendez, je le mets juste sur ma tête. Donc, il est vraiment très confortable, très design. Voilà. Donc, c'est un casque qu'on a payé 100 euros. C'est un casque qu'on a payé 100 euros donc sur ProBike Shop, je vous l'ai déjà dit. Et franchement, c'est une bonne affaire. Hein, avec marqué Fox en gros ici. Donc, couleur noir et blanc. Il existe aussi en rouge et blanc. Mais bon, noir et blanc, c'est plus classique, ça passe avec n'importe quel vélo. Voilà, donc ça. Alors, ça, je pense que la visière se détache. Et une fois la visière détachée, on pourra installer la GoPro. Attendez. Je regarde parce que... on ne sait jamais. Donc ça, je pense que ça se dévisse aussi. Ouais. Ça se dévisse aussi ici. Faut surtout pas perdre les deux joints là. Voilà. Et c'est pareil pour l'autre côté. Hop. Ouais, donc je pense bien qu'après on pourra mettre la GoPro juste là pour faire plus de vidéos. Hop. Là, il est parti. Il est là. Donc voilà. La visière. Et le casque sans la visière. Ça fait... c'est bizarre, donc ouais, donc voilà. Donc ici on a juste l'attache à GoPro juste là, on visse la GoPro ici, ouais, donc ça pourrait être pas mal. Par contre la visière laisse des traces sur le casque. Donc voilà, donc c'était à peu près tout pour ce casque Fox. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, ça ferait extrêmement plaisir. Ciao tout le monde.